Manger bio et faire du sport, c'est le credo de la Chambre nationale des professions de la santé durable. L'organisme lance une marche de la santé durable. Ça se passe sur les bords de Loire. Isabelle Racine, Pierre-Dominique Lepé. Ils sont médecins, kinésithérapeutes ou ostéopathes. Ils marchent pour informer leurs concitoyens sur la santé durable. Comprenez par là comment rester en bonne santé. Et pour eux, la première des règles, c'est la prévention. Faisons de la prévention. C'est vraiment l'axe qu'il faut mettre en place. Il faut permettre aux praticiens, aux médecins généralistes de pouvoir voir son patient au moins une heure par an et qu'il y ait ce bilan total. La seconde règle, c'est inciter à manger mieux. Pour rester en bonne santé, la première chose, c'est de veiller à ce qu'on fait entrer à l'intérieur de nous. Parce que quand on mange, on fait rentrer l'extérieur à l'intérieur de nous. Et si on fait rentrer un extérieur dégradé, on va dégrader notre propre corps. J'aimerais faire comprendre qu'il y a plein de poisons dans notre alimentation, des poisons cachés, que manger de la brioche, ce n'est pas l'équivalent de manger un bon pain qui vient de chez le boulanger. Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Vous pouvez aller à leur rencontre, faire un bout de chemin avec eux ou les écouter. Le soir venu, nos marcheurs se transforment en conférenciers. La Nouvelle République écrivait une marche pour informer sur la santé durable. Les professionnels de la santé et de l'environnement ont entamé hier une marche de 150 km. Le Courrier de l'Ouest, dans son édition de Saumur, a indiqué que cette nouvelle culture de la santé permet à chaque personne, par l'information et l'éducation personnelle, une meilleure prise en charge de son bien-être afin de vivre dans un état de santé optimal le plus longtemps possible. Ce périple peut donc comporter plusieurs étapes. La première, de Blois à 11 ans. Vous voyez ici les aquarelles. Voilà, donc première soirée à Blois. Voilà, donc vous voyez voilà, quelques-uns des intervenants. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour. Voilà, donc ceux qui n'y sont pas, j'ai pris une première fusée. Donc, départ du château de Blois. Donc, une petite équipe de marcheurs, une association locale. Alors, on nous a proposé ça, mais ils ont refusé, ils ont préféré y aller à pied. Voilà. Donc, démarrage en fanfare. C'était parti pour plus de 20 km. Voilà. Donc, ils n'ont jamais dépassé 10 à l'heure. Hein. Très respectueux de la réglementation. Petite pause de midi. Donc, toujours dans un lieu sympathique. Et le soir, conférence dans des salles extraordinaires avec notre gentil organisateur qui a vraiment très bien fait les choses, je peux le dire. Merci Dominique Chardon, très bon travail d'organisation. Donc, des intervenants sont venus d'un peu partout et nous avons eu le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous Colin Serrault et Philippe Desbrosses. Ensuite, deuxième étape, 11-1, Nazel Néon. Voilà, ensuite, le soir, toujours des conférences, donc tout à l'heure on verra ça dans le détail, parce qu'on va reprendre chaque jour. Lendemain, départ de Savonnières pour arriver à la Ville aux Dames, donc très bel accueil, très, très bonne conférence. Enfin, bon, ça s'est très bien passé tous les soirs, hein, avec plus ou moins de monde. Brémont, très joli port des Bords de Loire, où nous avons été hébergés pendant 3 jours, dans très bonnes conditions. Le lendemain, donc, Brémont, Chauzet-sur-Loire, pareil, réception tout à fait chaleureuse et extraordinaire, dans un cadre magnifique, toujours sur les bords de cette magnifique Loire. Ensuite, Saint-Hilaire-Saint-Florent, voilà, donc c'est la dernière étape, donc nous sommes aujourd'hui en fin de parcours, un peu fatigué, mais très heureux. C'était une petite vidéo pour vous donner un peu l'ambiance, les différentes étapes. Alors, je vais commencer par donner la parole à Dominique Chardon. Ensuite, je vous propose que nous voyons à chaque étape les conférences que nous avons faites le soir, parce que la marche, ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce sont les sujets, les thèmes. Et donc, on va vous en dire 2 mots, simplement en vous donnant l'essentiel
ce qui nous paraît, enfin, les messages qui nous paraissent fondamentaux à faire passer. Et donc, c'est très important parce que ça va être, vous voyez, ça va être enregistré. Et ce qu'on va dire ce soir, on va le diffuser sur Internet. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut savoir, mais qu'on trouve difficilement. Il est difficile d'avoir des informations à la fois objectives et indépendantes, que ce soit sur Internet ou lors de conférences. Il faut rappeler que nous sommes totalement indépendants de tout lien économique, quel qu'il soit. Nous sommes des bénévoles, tous. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est ce qui fait que nous sommes toujours bien accueillis, parce qu'avec nous, il n'y a pas d'arrière-pensée. Alors, à moi, donc, il y a eu ensuite, enfin, la thématique générale, je ne vais pas parler. On a surtout parlé de l'enfance. Là, je vous demande tous aujourd'hui l'enfance. Eh bien, écoutez, oui, la période de l'enfance est vraiment très intéressante. C'est une période vraiment méconnue, enfin, dentairement parlant. On s'intéresse beaucoup aux dents des enfants. On s'occupe de savoir s'ils ont bien toutes leurs dents, s'ils vont bien pouvoir mastiquer. Puis après, ben, quand tout va bien, il y a une grande période de latence. Et puis on attend que ça se passe. Et puis, on ne s'occupe plus de grand-chose. Et en fait, il y a une période capitale dans l'enfance. C'est la période de 6 ans. 6 ans, c'est une date charnière, de toute façon, dans la progression physique, dans le développement physique de l'enfant. C'est l'époque à peu près où on rentre à l'école. Donc il va y avoir de gros changements comportementaux, de grosses épreuves. Il va quitter un milieu plutôt protégé pour aller vers un milieu beaucoup plus social et tout. Et à cette période-là, va se mettre en place, à l'arrière des dents de lait, une première dent d'adulte qui apparaît entre 6 et 7 ans, que nous autres, on appelle la dent de 6 ans. C'est la première molaire d'adulte. Donc il va en apparaître 4 dans la bouche de l'enfant. Elles passent très souvent inaperçues. Les gens croient que c'est des dents de lait. Donc elles ne sont pas soignées, elles se carient, elles s'abîment. Et ce sont les dents que nous, au cabinet, on soigne le plus souvent, qu'on extrait le plus souvent, qu'on couronne le plus souvent. Or, cette dent-là, à 6 ans, à 7 ans, elle se met en place à l'intérieur de la bouche. Et comme les dents font partie du squelette, hein, c'est l'organe le plus minéralisé du corps humain, la dent. Donc comme elles font partie du squelette, cette dent-là va assurer une référence physiologique, fonctionnelle pour toute la vie. Elle va permettre le bon fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire pour toute la vie. Donc cette dent-là, c'est une dent capitale. Je vous en dirai pas plus, mais il est vraiment très important d'emmener les enfants à chez le dentiste à cette période-là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, encore plus qu'aux autres périodes. Il faut absolument tout mettre en œuvre pour que cette dent-là reste en place et soit en bon état. Voilà, c'était le sujet de la conférence. Bien. Bon. Alors, beaucoup, on a parlé de la croissance de l'enfant et l'importance de cette croissance avec une première étape. C'est avant que l'enfant soit là, dès la conception, et on dirait même avant la conception, puisque des intervenantes qui n'est pas là ce soir à parler de l'épigénétique et l'importance de la nourriture, entre autres, pour les parents. Je dis bien les parents, parce qu'on parle souvent de la mère, mais le père, c'est très important, puisque ses gènes peuvent être modifiés par une mauvaise santé. Donc, moi, en tant qu'ostéopathe, ce qui se passe avant, c'est rare que je vois les parents, bien que de temps en temps, on reçoive des gens lorsqu'il y a des problèmes mécaniques liés à la conception, dans une équipe pluridisciplinaire. C'est quand même le cas de la chambre, au travail que vous allez voir, dans une équipe pluridisciplinaire. Le choix des conférences s'est fait, pas par moi, mais on a chacun préparé les conférences de nos côtés. Or, on s'y retrouve tout le temps. Ce qui veut donc dire qu'on parle le même langage et qu'on a besoin les uns des autres. Je serais incapable de travailler une dent, heureusement pour moi. Et je ne sais pas, c'est peut-être qu'Agnès serait capable de travailler sur les enfants. Donc, lors de la grossesse, on a un suivi tout à fait particulier. Parce que déjà, dans le ventre de la mère, il y a des choses qui se préparent, parce que l'enfant passe de une cellule lors de la conception à 60 000 milliards, voire 100 000 milliards de cellules. Donc, non seulement il faut prévoir une alimentation qui soit correcte, mais également on doit préparer la mère, préparer le bassin, en particulier cette articulation si importante, même pas uniquement chez la femme pour l'accouchement et la grossesse, mais chez tous les individus, la sacroiliaque. Cette sacroiliaque qui peut provoquer beaucoup de problèmes. Et lors de la grossesse, il faut souvent l'adapter puisque la femme change les postures. Et il faut également la préparer et préparer le bassin pour la sortie de l'enfant. On ne peut pas oublier que l'enfant naît, par rapport à l'ensemble des mammifères, c'est le mammifère le moins accompli.
essayer de voir si un enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa maman, est capable de marcher. Vous regardez le petit poulain, au bout de quelques heures, il est debout. Le petit éléphant, tout aussi. Donc, pourquoi l'enfant sort plus tôt? Parce qu'effectivement, il a une plus grosse tête par rapport aux autres, parce qu'effectivement, il a développé son cerveau. Et comment ça va être possible, ce passage? D'abord, il faut que le bassin de la version soit préparé, mais également, les os du crâne ne sont pas soudés. Il y a même des espaces assez importants qu'on appelle les fontanelles. Tout ça, c'est prévu pour que les os puissent se chevaucher lors du passage par le détroit inférieur dans l'adolescence par voie basse, par présentation de la tête. Le bassin aura son importance, je voudrais peut-être un petit mot là-dessus. Donc ces os vont se chevaucher et il va y avoir peut-être même des déformations. Lorsqu'il y a le premier inspire, non seulement les poumons se déplient, mais également cette impulsion va permettre aussi aux os de retrouver leur position. Mais parfois, cette position n'est pas toujours la bonne. Et il y a une importance extrême à ce qu'il y ait un examen très précoce des déformations du crâne, car plus on agit tôt, plus on aura de résultats rapides et durables dans le temps qui pourront entraîner le respect de la posture plus tard. En effet, si un crâne est déformé, les cervicales pour compenser, les dorsales, puis les lombaires, et on peut assister à des scolioses plus tard qui se développeront, dont l'origine est crânienne, et qui pourraient être évitées si on voyait les enfants à ce moment-là. C'est toujours effrayant quand on parle d'ostéopathie crânio-faciale, surtout les médecins font très peur aux gens, ils vont manipuler les os du crâne. Je reprends l'exemple que vous avez dit, car je n'oublie pas cette conférence que nous avons faite, c'est Guy qui les a préparées. Le toucher d'un ostéopathe sur le crâne d'un enfant, c'est équivalent au toucher d'un doigt qui voudrait arrêter une fourmi en train de marcher sans l'écraser. Donc vous voyez, c'est extrêmement violent. Donc, c'est très important que les enfants soient examinés très tôt, qu'ils soient examinés au cours de leur première année, lorsque va s'établir la marche au cours des 1 an, avec la possibilité quand même de contrôler cette étape très importante qui est le 4 pas, qui va permettre la synergie des ceintures, qui va permettre la coordination des muscles pour la marche plus tard, puisque l'homme est un être redressé. Quand la marche s'établit, à ce moment-là, il faut surveiller aussi un bilan annuel ne serait pas négatif dans les premières années qui va suivre, parce qu'il y a des bûches. On dit toujours le squelette est souple, est capable d'encaisser énormément de choses. Et combien de fois on voit une cheville qui reste bloquée, plus ou moins, et qui va entraîner des problèmes par la suite. Alors, il ne faut pas s'affoler, c'est pas obligatoirement des gros traitements, mais un examen annuel serait souhaitable. Puis la croissance va s'établir, et là je vais rejoindre Agnès par rapport à la dent de 6 ans. On sait très bien qu'à 6 ans, c'est le début de la mise en place du bassin pour la maturation sexuelle qui va s'établir entre 6 ans et 14 ans. Il est important qu'on accompagne aussi, parce que si un bassin se passe mal, on peut avoir des problèmes, en particulier chez les femmes aussi, au niveau de la posture de l'utérus plus tard, des tensions au niveau des trompes, chez les hommes plutôt des descentes de testicules qu'ils ne font pas, et c'est à surveiller de façon très importante. On a également l'établissement de la posture qui se fait progressivement. Il faut qu'il y ait la libération des deux ceintures pour que la posture soit correcte. Il faut qu'on décèle les premiers débuts de tension du bassin, de scoliose, les voussures au niveau du dos, les hyperlordoses. Et on fait ça avec un examen très simple, au fil à plomb, des mesures et des examens comparatifs. Si un ostéopathe à faire l'examen et que sur les patients des ménages, il doit pouvoir fournir à celui qui reviendra par la suite les examens qu'il a faits avec les comptes rendus pour que l'autre puisse faire un examen comparatif et voir s'il y a une évolution. Il y a encore trop de scoliose, il y a encore trop de syphose et de problèmes très importants qu'on ne traite pas ou qu'on traite mal. Et avant d'en arriver au corset, on peut intervenir de façon très efficace. L'adolescence. Effectivement, la mise en place de la posture, avec surveillance, en particulier la pratique des sports, éviter les sports de compétition trop poussés par des fois des parents qui accomplissent un désir, par des entraîneurs qui sont fiers d'avoir leur poulain, qui rêvent de l'avoir en médaille d'or en disant c'est moi qui l'ai eu quand il était jeune, et on assiste, il pourrait le témoigner, à des catastrophes chez certains enfants. Je parle aussi des jeunes danseuses, si elles ne sont pas suivies, qu'elles fassent de la danse très tôt, pas de problème, mais il faut les suivre également.
Et puis après, on arrive à l'âge adulte. Là, ça ne nous concerne plus, puisque c'était le but de la conférence. Merci. La troisième conférence de la soirée portait sur les troubles de l'attention de l'enfant. Donc, j'ai abordé les besoins, les nourritures affectives de l'enfance et de l'enfant, et ses nourritures terrestres. Voilà, donc les besoins de sécurité, de sommeil, et le besoin d'être reconnu dans le regard de l'adulte qui s'occupe de lui, les besoins d'attachement, d'appartenir à un groupe. Et aussi au niveau des nourritures terrestres, l'importance de l'alimentation sur la formation du cerveau et les troubles de l'attention qui sont dus souvent avec un petit déjeuner inadapté qui entraîne l'enfant dans un cycle infernal d'hyperglycémie, hypoglycémie, je remange parce que je suis en hypoglycémie, je suis agitée, je suis nerveux. Donc vite, vite du sucre pour me calmer et je repars en hyperglycémie. Une heure à deux heures après, je suis en hypoglycémie. Je remange du sucre, des barres de céréales, je bois un jus de fruits et hop, je repars en hyperglycémie et toute la journée se passe comme ça. Et vous avez un enfant qui passe d'état de calme, puis tout d'un coup il s'agite et puis en fonction de sa glycémie. Donc j'avais développé l'importance d'améliorer le petit déjeuner des enfants. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va passer à la deuxième journée. Et nous sommes partis dimanche matin. Je retrace très brièvement, bien évidemment, de la place du château à Blois. Nous avons fait, je crois, 25 km de marche à peu près, pour arriver à 11h20. Et le thème général d'Ozin, c'était rester en forme jusqu'à 100 ans, mon ami, pour la petite histoire, 100 ans et plus, bien sûr, parce que on le souhaite à tous. Il y a eu plusieurs intervenants. Nous avons... Oui, bien sûr. Il y a eu Charlotte Prunet et Guy Roulier qui sont intervenus en duo pour la prévention du mal de dos et de l'arthrose, l'activité physique, qui est une clé de votre santé. Et je vais passer la parole à Guy qui va vous dire quelques mots sur cet aspect-là. Merci. 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 Donc je vais en profiter pour faire on est en vitesse en croisière. Je vais en profiter pour vous passer quelques images. Et dans le prochain diaporama, je vous passerai quelques images selon les désirs des intervenants. Donc ça sera très rapide, ce sont des résumés. Donc c'était prévention et soins du glissement physique et de l'arthrose. Donc ça va être très très vite. Ce qui est important de savoir, c'est que la santé durable, hein, donc on ne l'a pas défini, on est peut-être que c'est une chose qu'il faudra qu'on fasse, on va le faire sur Internet. La santé durable, c'est le pilier central du développement durable. Il ne peut pas y avoir une activité humaine qui se développe harmonieusement si ceux qui l'exercent ne sont pas en parfaite santé. Et vous savez, actuellement, le gros problème de notre société, c'est que les maladies frappent de plus en plus de personnes dans les entreprises. Donc les TMS, le burn-out. Enfin, disons qu'on est dans une société qui pressure tellement les possibilités de l'humain qu'il s'use avant l'âge. Donc ce qui est important, c'est justement de revenir à ce concept de santé durable qui est, donc on peut en donner plusieurs définitions, tout à l'heure je vous l'ai donné. Ce qui est important, c'est d'avoir un environnement favorable à la santé. Et pour que cet environnement soit favorable à la santé, il faut que cet environnement soit protégé. Protégé des pollutions, protégé des pollutions physiques, biochimiques, dont Pierre va vous en parler tout à l'heure, radioactives, mais également mentales et sociales. Donc vous voyez, on parle peut-être d'un monde un peu idéalisé, mais si on n'est pas idéaliste, rien ne se crée, rien ne peut évoluer. Car ceux qui ont changé les sociétés étaient des idéalistes qui sont passés à la réalisation de leurs idéaux. Voilà. Alors, ce qui est important dans cette... on pourrait compléter au fur et à mesure. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la longévité humaine est de 120 ans. Donc je ne vais pas vous refaire la conférence, mais simplement vous donner quelques pistes. 120 ans, c'est l'âge maximal. Donc Jeanne Calment a vécu 122 ans,
Et voyez, ces trois courbes, en fonction de la vie et des événements, malheureusement des aléas que vous subirez, la vie sera plus ou moins longue. Donc ça peut varier de 50 à plus de 100 ans. Donc, tous les conseils qu'on a donnés lors de ces conférences, c'est donner tous les ingrédients, toutes les techniques, toutes les méthodes, tous les trucs, tous les conseils pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Parce que, en fait, nous ne dépendons pas que de notre, que de nous. Nous dépendons également de notre patrimoine héritaire, donc ce que nous ont légué nos parents. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est voilà. Donc, c'est important, c'est de lutter contre ces pollutions, toutes ces pollutions. Et s'il y a un combat, un bon combat, un juste combat à mener, et il ne faut surtout pas baisser la garde, c'est lutter contre toutes les agressions à l'environnement. Car nous ne sommes qu'une infime poussière dans l'environnement. Et donc, tout ce qui atteint l'environnement nous atteint, puisque nous sommes à 100% formés par ce qui nous entoure. L'eau, on boit 1,5 à 2,5 litres d'eau par jour, compris l'eau alimentaire. Le sol, donc tous les minéraux, les vitamines, le soleil, l'air qu'on respire. Et alors, l'air qu'on respire, hier on a une conférence, dont Pierre va vous en parler tout à l'heure, c'est véritablement catastrophique. Mais eh ben, faut se battre, c'est tout, pour empêcher les gens de polluer, parce que si pollue l'atmosphère, il nous empoisonne et il crée des maladies graves. Et notamment des cancers. Voilà. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure. Cette conférence sera de toute manière diffusée, je pense qu'elle est enregistrée, voilà, sur Internet, sur notre site Internet. Après, nous avons eu le docteur Agnès Legras qui nous a parlé des troubles musculo-squelettiques, de déglutition de la bouche comme porte d'entrée du système digestif. Eh oui, je lui passe la parole. Merci. Alors effectivement, j'ai traité la bouche comme deux façons de voir. En fait, la bouche fait donc partie du... Enfin, les organes de la bouche, les dents, le système mandibulaire, on appelle ça comme ça. Oui, mais on va rester sur cette diapositive-là. Avec les articulations temporomandibulaires, font donc partie du système postural. Et on a, dans notre corps, un seul système neurofonctionnel, un seul système postural. Du sommet du crâne, ça c'est le travail des ostéopathes, mais du sommet du crâne au bout des orteils, c'est un seul système fonctionnel. Donc si vous regardez un squelette, là je me trimballe avec Gédéon, c'est un petit squelette de bureau, il n'est pas là aujourd'hui, mais quand on le voit, on comprend très très bien en fait que les désordres qu'il va y avoir dans la bouche vont se répercuter au niveau des cervicales, au niveau de la base du crâne, au niveau des cervicales, et de là vont se répercuter partout sur le squelette. Et donc affecteront les muscles, les nerfs, les tendons, les fascias, enfin tout ça. Ça, c'était une première piste. Et puis, je voulais traiter une autre piste qui est aussi très importante, c'est que la bouche, elle sert à quoi ? La bouche, elle sert à faire entrer des aliments dans notre corps. Et c'est la première partie de quoi ? C'est la première partie d'un système qu'on appelle le tube digestif. Donc, ce que vous allez mettre dans votre bouche va être normalement mastiqué. Je dis bien normalement, parce qu'il y a plein de gens qui ne mastiquent pas ou qui mangent tout mou. Ça va être mastiqué. Et la mastication, elle sert à quoi ? Elle sert à ensaliver les aliments. Ça veut dire qu'on les mélange avec de la salive pendant plusieurs secondes, ce qui fait que c'est une prédigestion. Si on a une bouche pleine de tartre, avec des gencives qui saignent, avec des trous dans la bouche, avec des caries, qu'est-ce qui se passe ? En fait, non seulement on ne mastique pas, il n'y aura pas d'insalivation, il n'y aura pas de prédigestion, mais en plus on va ingérer des bactéries, on va ingérer du sang. Et qu'est-ce que vous croyez qui va se passer dans le tissu digestif, dans le tube digestif ? Je ne vais pas vous donner la réponse, je vous laisse vous poser des questions. Et donc c'était le sujet de la conférence. Nous avons eu comme intervenant Pierre Valenzac, ingénieur de santé et environnement, qui va vous parler de l'incidence de l'environnement sur votre santé. Vous en dire sur nous. Merci. Eh bien, bah, bonjour à tous. Ça a été une expérience fabuleuse de me promener avec tous mes amis, que j'oublierai pas, toute cette fabuleuse expérience. Oui, on s'est promené où ? Bah, dans l'environnement. On s'est promené dans la nature, parfois à côté des autos. Nous avons parfois respiré un peu de gaz.
Parfois, nous sommes revenus un peu au travers des forêts. Nous avons longé quelques étangs. Nous avons profité éventuellement de l'odeur des arbres, etc., etc. Et bien ça, vous voyez, c'est l'environnement qui nous entoure. Et cet environnement, on vit à l'intérieur de cet environnement. Il y a plein d'écosystèmes et on fait partie de tous ces écosystèmes. Alors si vous voulez bien, c'est juste tenter d'imaginer que vous êtes là, un peu dans cette nature, et si vous regardez d'un peu plus loin, ben vous voyez que vous êtes éventuellement dans un pays. Et si vous vous élevez un peu plus haut, du pays, du département, vous arrivez sur un pays. Du pays, vous arrivez un peu sur un continent. Allez encore plus haut, vous allez voir la planète entière. Et de là-haut, vous allez voir éventuellement 70% d'eau, 30% de terre. Montez encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, vous allez voir que on est infiniment petit. Et dans cet infiniment grand, on est infiniment petit. On n'est pas grand-chose. En même temps, c'est dans cet environnement que l'on vit. Donc si on revient, refaites une macro, revenez directement, ici, directement, ben, quand vous vous promenez sur les chemins, vous avez l'air, vous avez l'eau. L'air, c'est ce que l'on respire. Et c'est la première source de vie, l'air. Simplement, pour information, tentez de... Par exemple, vous savez que vous pouvez arrêter de manger pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous pouvez arrêter de boire pendant 1 heure, 2 heures. Ben, si vous voulez, on peut faire un essai. Enfin, à mon avis, on ne va pas arriver jusqu'à 1 heure. Mais essayez d'arrêter de respirer pendant 1 heure. Ça ne va pas être facile, hein. Alors, vous vous rendez compte que l'air, c'est vraiment la première alimentation. Alors, cette alimentation, il faut la préserver. Alors, dans la thématique, eh bien, il y a la pollution de l'air. Alors, on est tous responsables de ce qui nous arrive, plus ou moins. On consomme d'une façon ou d'une autre. On pourrait aller chercher son pain à 500 mètres, à pied ou à vélo. On prend la voiture. C'est plus facile. On a toujours un « ah, j'ai mal au genou », un orteil ou toute autre chose. Donc là, il faut que vous preniez conscience que réellement, la pollution de l'air, bien sûr, il y a toutes les industries qui est là, qui polluent. Donc, il y a des lois, il y a des règles. On espère qu'ils respectent pour protéger cet environnement qui est l'air, pour limiter cette pollution dans l'air. Mais prenez bien conscience que l'air, c'est votre premier aliment. Donc il y a des gens qui sont plus... Voilà, on a parlé d'alimentation, c'est ce que l'on ingère dans la bouche. Donc voilà. Mais l'air, ben, vous l'avalez aussi. Alors on parlait éventuellement des sols, ben, quand on s'est promené justement le long des chemins, eh bien on a pu admirer les sols qui étaient différents. C'était un peu sec, il y avait de la verdure, il y avait des fleurs, des feuilles. Donc il y a des gens qui sont plus qualifiés que moi pour déterminer quelle nature. Mais en même temps, il y avait toute cette faune qui était là autour de nous. Et tout ça, c'est des bienfaits. On peut tirer parti de tout ce qui nous entoure. Bon, en même temps, c'est vrai que si on continue de polluer et qu'on continue de jeter éventuellement ou de vider des cendriers ou de jeter des canettes ou de jeter des choses un peu comme ça au travers des voitures ou quand on se promène, imaginez quand même que vous êtes en train de vous auto-suicider, non ? Quelque part. Donc on est tous acteurs un peu, donc faut être responsable de ce que l'on fait. Collectons nos différents déchets pour garder un peu cet environnement qui nous entoure, parce qu'on vit à l'intérieur, avec les autres animaux qui sont là, qui ont droit de vivre d'ailleurs, hein. Parce que je vous rappelle que nous, on est dans un écosystème, donc on vit avec eux. Et en même temps, donc, il y a aussi, donc, je vous ai parlé des sols, mais il y a l'eau. L'eau, c'est quand même la principale... Ah oui, 70% on est composé d'eau ? 63, exactement. Sur la planète, c'est pareil, on a beaucoup d'eau. C'est marrant quand même, non ? Il n'y a pas une similitude ? Là, cette eau, c'est quand même notre aliment premier aussi. On a besoin d'eau pour vivre. On a besoin de...
d'eau aussi pour faire du vin, parce que s'il ne pleut pas, il n'y aura pas de vin. On a besoin aussi d'eau pour faire toute notre nourriture. Alors si cette eau, elle est polluée, en gros, vous faites la cuisine avec de l'eau polluée et vous allez manger des nourritures polluées. Donc il faut aussi la protéger. Donc il y a des lois, il y a des décrets, donc il y a des... Voilà, il y a des ordres. Tout ça, ça travaille. Mais en même temps, nous aussi, on est tous responsables. On se doit aussi de protéger toutes les eaux souterraines, les eaux de surface, hein, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, moi. Voilà. Juste très rapidement, sur la planète, je vous ai dit 70% d'eau, 3% d'eau douce. 3% d'eau douce, juste. Ça ne fait pas beaucoup. C'est cette eau-là que l'on boit, c'est pas l'eau salée. Et dans les eaux, il y a les poissons qui vivent. Hein. Et donc, on mange aussi du poisson. Donc si l'eau est polluée, on va manger. Là, il faudrait quand même faire attention à ces trois éléments qui sont vraiment très importants. L'eau, l'air et la terre. Parce qu'en somme, on vit sur cette petite planète. Et sans ces trois éléments-là, qui nous apportent énormément, mais faudrait-il déjà les protéger? Alors un bien-être pour la planète, c'est aussi un bien-être pour nous. Voilà. Merci. Merci Pierre. Je vais faire un tout petit retour en arrière, parce que en 1, j'ai plutôt omis de dire un élément capital, enfin, important. Nous avons reçu Philippe Desbrosses qui était intervenu sur une thématique intéressante et sur bien évidemment la santé de la Terre. Et nous avons eu aussi la joie d'accueillir Colline Serrault qui est intervenue aussi. Voilà. Maintenant, nous allons continuer puisque nous sommes dans la santé de la Terre, notre terre nourricière, celle qui effectivement nous permet d'avoir des aliments sains et d'être en pleine forme. Et je vais passer la parole à Luc Van de Vede qui va nous parler du sol, le grand oublié, est tellement important. Merci. Bien, merci Dominique. Et effectivement, Pierre a bien évoqué tout ce qui est important, l'air, l'eau, le sol. Effectivement, le sol est quelque chose d'important puisqu'il sert à développer toute la matière végétale. Nous sommes entourés de plantes. Sur la Terre, il y a d'abord eu, des végétaux avant que les animaux apparaissent. Donc l'objet de la conférence, c'était d'expliquer comment avoir un sol bon qui serve à la production, entre autres pour l'alimentation et tout, et comment on peut faire pour augmenter la matière organique. Parce que la matière organique, c'est ça qui permet de donner des capacités au sol pour pouvoir faire tous les échanges d'ions et d'éléments qui servent à la constitution des plantes. Les plantes, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, mais aussi du calcium, du phosphore, du calcium, de l'azote, qui permettent de créer tous les acides aminés et autres, tout ce qu'on retrouve dans nos aliments. Donc l'objet de la conférence était d'expliquer ça. Et le deuxième point, c'était de bien expliquer, puisqu'un sol est vivant, en particulier dans le début, le premier horizon du sol, sous la litière des fleurs, des feuilles, il y a des tas d'animaux, des petits insectes, des collemboles, des acariens qui détruisent cette matière végétale pour en faire à nouveau des éléments que la plante va pouvoir réutiliser. En plus, les vers de terre qui créent des galeries pour améliorer la porosité du sol. Tout ce côté-là est vivant. Et donc, il y a un cycle qui se fait, d'une feuille qui tombe, qui revient en éléments, la plante la reprend, etc. Et donc, si on traite nos jardins, nos villes avec des produits phytosanitaires, on tue cette partie vivante, et donc de ce fait-là, on empêche ce cycle et on casse ce cycle. Donc il ne faut pas être étonné que maintenant, dans nos collectivités territoriales, il y a une nouvelle loi, c'est évoqué, des lois qui sont là pour protéger l'environnement, mais on interdit le jachage des produits phytosanitaires. On réduit tous les désherbants. Maintenant, dans les collectivités, on parle de gestion différenciée. Aux côtés de la mairie, on a peut-être plus de fleurs et on entretient plus. Et qu'on n'a plus de produits phytosanitaires, et bien on met plus de personnes pour enlever les herbes indésirables. On ne parle pas de mauvaises herbes, les herbes ont tous leur place, on parle des herbes qui sont indésirables à cet endroit-là. Et donc dans d'autres endroits,
ben on accepte qu'il y ait plus d'herbe. Pour certains, c'est rendu misérable, mais en fait, c'est notre regard qui doit changer. On n'a pas besoin d'avoir un trottoir complètement sans herbe du tout. S'il y a un peu de verdure, ce n'est pas gênant. Et s'il y a des endroits avec un peu de terre, eh bien, il ne faut pas hésiter à y poser une graine. Comme ça, ça fleurit. Et puis notre regard devient tout à fait, je dirais, content et agréable de voir de la verdure dans la collectivité. Donc l'objet de la conférence est d'expliquer tout ce cycle, la nature du sol, comment il doit rester vivant et comment tout ça contribue au décor et à la nourriture. Voilà. Au docteur Bénédicte Sandville, qui va vous parler de la santé dans l'assiette, quelques mots, comment limiter les maladies chroniques. Merci. Voilà, donc c'était la troisième partie de cette soirée. Nous avions entendu parler pollution, qualité du sol pour avoir des aliments de qualité. Et maintenant, il fallait parler de l'assiette, parce qu'en choisissant bien ces aliments, on peut réguler, on peut lutter un petit peu contre la pollution, on peut éviter les aliments les plus pollués. Et en choisissant bien ces aliments, on peut éviter l'inflammation chronique qui fait le lit de toutes nos maladies actuellement. C'est une inflammation chronique à bas bruit qui est engendrée par des aliments inadaptés à notre mode de vie. Donc depuis que les médecins ont recommandé aux patients de manger moins gras, il faut trouver les calories quelque part, donc les patients ils mangent plus de glucides, des sucres, du pain, des pâtes, du riz, des féculents, au détriment des graisses, et tous ces sucres nourrissent l'inflammation chronique. Donc on ne devrait pas manger plus de 50 grammes par exemple de sucre rapide par jour, et il faut savoir déjà qu'un jus de fruits, 200 ml de jus de fruits vous apporte 30 grammes de sucre par jour, de sucre rapide. Donc le jus de fruits du matin, c'est vraiment la fausse bonne idée. Donc après, il y a un autre aspect de l'alimentation qui a été abordé ce soir-là, ce sont les lipides, les corps gras, les matières grasses, l'importance de bien choisir ces matières grasses, parce que notre cerveau est fait de... Notre cerveau tout, est fait d'une grande partie de lipides, là, c'est le constituant principal, et si vous mettez des mauvais lipides dans votre alimentation, vous aurez un mauvais fonctionnement neuronal. Donc il faut vraiment des acides gras insaturés pour avoir une souplesse des membranes, donc une souplesse de la pensée, une souplesse des réactions, une souplesse de toutes nos réactions qui nous permettent d'être bien vivants et bien présents. Agile, qui est mon voisin. Une agilité cérébrale. Voilà. Je vous dis deux mots sur ces lipides parce que c'est rapide et vraiment c'est important. Donc les margarines à la poubelle, ce sont des lipides, des bons lipides des fois qui ont été transformés et qui de ce fait-là deviennent des mauvais lipides. Donc ce qui est important par contre de prendre, c'est de l'huile de colza, de l'huile d'olive, des avocats, des noix. On est le pays des noix et ça c'est très important d'en manger régulièrement tous les jours, on peut manger des noix. Des produits animaux d'animaux et de poules qui ont été mangés ou picorés de l'herbe, parce que ça enrichit ces aliments-là en oméga-3. Des poissons gras, mais des petits, qui sont au départ de la chaîne alimentaire pour éviter la concentration de toxiques dans leurs tissus. Il faut savoir, oui, quelque chose que les pesticides sont très solubles dans les matières grasses. Donc si vous mettez à manger bio, c'est vraiment le beurre, l'huile qu'il faut privilégier en premier, parce que tous ces pesticides sont très solubles dans les lipides. Et voilà, et je ne sais plus, donc les poissons, c'est oui, hareng, maquereau, anchois et sardines. Voilà, donc ça c'est pour limiter l'inflammation chronique. Et on verra plus tard ce qu'on peut faire pour. Parce que l'importance des légumes et des fruits dans le régime alimentaire également. Et ça c'est pour un autre jour. Merci.
Merci, Victorine Tassonville. Voilà, nous avons le lendemain matin une petite chose. On a eu ce qu'on a eu FR3 qui est venu nous voir sur le parcours, qui nous a été fait avec nous pendant une heure. Ça a été super sympathique. Et voilà, d'où le petit vidéo qu'on vous a passé. Alors, nous avons repris nos sacs à dos. Comme tous les matins, 9h du matin, nous étions sur le pied de guerre et nous avons fait encore, je crois, 27 km. Mais ça a été assez super, cette étape d'Amboise à la Ville aux Dames, puisque nous avons été accompagnés par la SVT vélo et gymnastique, surtout vélo, avec des vélos adaptés pour handicapés. Effectivement, c'était vraiment absolument super. Ils ont été avec nous extrêmement généreux. Il avait très mal aux jambes d'ailleurs, parce que je crois qu'ils ont fait 50, 60, 60 km en transportant des gens. C'était génial. Et nous sommes passés aussi, nous avons été reçus au château de la Bourdaisière. C'est bien ça? J'accroche toujours ce nom. Où effectivement, nous avons vu 650 pieds de tomates, des anciennes tomates. Desglaïeuls, la ferme d'avenir, et nous avons été reçus par le responsable qui nous a accueillis. Et donc, sur le site internet, il y aura sa petite conférence qu'il nous a faite. Bien sûr, c'est pas encore ça, parce que c'est très long à tout remettre en place. Alors, arrivés à la Ville aux Dames, nous avons été super accueillis, toujours, comme partout d'ailleurs. Et nous avons parlé de l'enfance, qui a été étape capitale de la vie, le Mont-Mercy. Alors oui, on a vu une conférence qui a complété celle-là, qui était fabuleuse aussi, c'était de Maria-Anna Simonet sur l'épigénétique, et on s'est aperçu que le régime alimentaire du père intervenait sur le capital génétique de l'enfant et le régime alimentaire de la mère aussi. Donc une mère mal nourrie, si je me souviens bien, ça va donner un enfant qui aura des problèmes métaboliques plus tard, et un père trop nourri va donner les mêmes genres de problèmes. Donc s'il y a une famine, donnez à manger à la femme et le père, mangez moins, et il y aura moins de conséquences sur les générations futures. Ça a été démontré sur une population hollandaise qui a subi une famine après la guerre 40. C'était un médecin diabétologue de l'hôpital de De Tours, qui est venu parler de l'obésité chez l'enfant. Voilà. Donc. Merci. On ne va pas tout reprendre ce que l'on a fait, puisque effectivement, le dépistage des troubles de la croissance, c'est effectivement ce qu'on a déjà commencé à dire tout à l'heure par rapport à l'environnement, par rapport à tous ces facteurs qu'il y a qui vont déterminer la vie à la suite avec au cours de la vie trois étapes importantes: prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. La prévention primaire avant, la prévention secondaire pendant, avec le traitement aussi, et éviter que les maladies qui sont installées, les déformations qui sont installées puissent progresser. La prévention tertiaire, c'est effectivement la dernière étape qu'on ne devrait pas voir si on a tout bien fait. Alors, les terrains fragilités, ce que j'ai tendance à dire, ce que j'avais déjà précisé tout à l'heure. Vous avez le type équilibré complètement à gauche en vert. En haut, à droite, vous avez le type antérieur asthénique, hein, c'est gastro-lagaphe, comme dit si bien Guy. Et en dessous, le type postérieur tonique, hein, avec effectivement une hyperlordose. J'ai un peu assez vite fait. Alors, la séance, ce qu'on avait développé tout à l'heure, la grossesse, le passage de l'enfant, le bassin. Les problèmes qu'il y avait, les bébés qui arrivent, premier aspire, les déformations crâniennes. Vous avez un schéma, c'est ce que tout à l'heure, vous savez peut-être pas quelque chose qui est facile à comprendre pour tout le monde. Effectivement, le crâne, avec ses sutures qui sont très larges, la fontanelle. Après, vous avez effectivement la soudure, qui passe à côté. On voit effectivement que le crâne s'est soudé. Les soudures sont effectivement, apparaissent à septième mois, à partir du septième mois. Vous avez quelques images d'enfants de crâne déformés. Tout à l'heure, nous avons peut-être passé la déformation. On ne
sur celle-là. Ah, on l'a pas sur celle-là. Bon, sur en fait, on va continuer. Pas prendre trop de temps. L'ostéopathie, vous voyez comment les mains se posent sur le crâne. Les premiers pas par la suite, après la première année, l'apprentissage et l'enfance, la croissance, la surveillance. Voilà. Telle que nous la faisons en posturologie, en ostéopathie. Ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut faire, et ce qui devrait être rendu obligatoire. On parle actuellement de réduire le déficit de la sécurité sociale. Donc, on a entendu ça sur la route en venant. Donc, ce qu'on voudrait, nous, c'est qu'on utilise des méthodes réellement préventives. Et quel est le meilleur moyen de ne pas être malade? Eh bien, c'est de dépister les maladies à leur tout début, avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Et chez l'enfant, notamment dans les problèmes de croissance. Il faut, vous savez, vous prenez par exemple un chêne, un jeune chêne. Vous faites une égratignure. Revenez 1000 ans après. C'est pas nous qui reviendrons, mais 1000 ans après, il y a une énorme balafre qui va faire 50 cm de long. Chez l'enfant, tout trouble structurel va évoluer avec la croissance en s'aggravant. Il ne faut pas croire, contrairement à ce que disent les optimistes béats, que ça va se redresser tout seul. Ça ne se redresse jamais tout seul, parce qu'il y a la gravitation qui nous attire vers le bas. Le moindre problème qui survient au niveau de la colonne vertébrale va se répercuter tout le long de la colonne jusqu'à la tête et créer ce qu'on appelle des déformations vertébrales comme la syphose, l'épiphyse vertébrale qui est une maladie de croissance qui après va poursuivre toute la vie parce que ça gâche la vie puisque ça prédispose à l'arthrose précoce et au pincement disco et l'hyperlordose lombaire source de sciatique et de désordre, de quantité de désordre viscéraux. Et tout à l'heure, notre ami vous a parlé des problèmes de ptose, de bascule, de l'utérus, etc., mais également de descente d'intestin, etc. Donc, il faut toujours penser que la colonne vertébrale, c'est le mât auquel sont accrochés les organes. Hein, tout est suspendu. Et si le mât s'affaisse, tout s'affaisse. Donc, c'est vraiment fondamental de travailler des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds parce que tout est interrelié dans le corps. Les problèmes dentaires vont créer des scolioses, les problèmes oculaires peuvent créer des scolioses, et les problèmes de pieds peuvent créer des scolioses, problèmes de genoux, de bassin, tout est interdépendant. Voilà, donc l'évolution c'est ça. Hein, un enfant qui est mal suivi, eh bien automatiquement ça fera un adulte malade, un adulte qui aura des handicaps. Donc c'est dès l'enfance qu'il faut véritablement faire le dépistage. Et actuellement, le gros problème avec nos enfants, c'est l'utilisation des portables, des jeux vidéo, parce qu'ils vont perdre la courbure cervicale, ils vont perdre la courbure cervicale, et donc ils vont user prématurément leurs disques cervicaux, qui vont entraîner des névralgies, des ce qu'on appelle les troubles neuromusculaires, qui actuellement fait une hécatombe chez les adultes dans les entreprises. C'est vraiment le mal du siècle et c'est dû à des mauvaises postures de travail. Donc voilà. Alors ce qui est important de savoir, c'est que l'être humain, c'est l'être le plus adaptable qui soit, puisque beaucoup d'espèces, des milliers d'espèces ont disparu, à commencer par les dinosaures, mais nous on a survécu, et si on continue dans le sens où on va, la prochaine extinction, ça risque d'être l'extinction de l'espèce humaine. Mais c'est pas tout de suite, c'est dans quelques milliers d'années, quelques dizaines de milliers d'années. Donc moi je souhaite que ça n'arrive pas. Enfin voilà. Donc ce qu'il faut, c'est surveiller chez les enfants les pieds, éviter les déformations. Donc dans le bilan, on fait un examen des voûtes plantaires, c'est absolument capital. Hein. Examiner les voûtes plantaires d'un enfant, c'est aussi capital que de vérifier la pression des pneus de la voiture avant de prendre l'autoroute. Si vous ne le faites pas, si on ne le fait pas, eh bien, on va au-devant de désordres très importants et très coûteux en souffrance et en budget pour l'assurance maladie. Le capteur visuel est absolument fondamental parce que l'œil ainsi que les pieds font partie de ce qu'on appelle les capteurs primaires qui nous permettent de nous repérer dans notre environnement
la moindre déviation, le moindre problème de défaut de convergence d'un œil va entraîner au niveau de la tête une petite compensation qui va se répercuter jusqu'au pied, comme nous l'avons vu sur le schéma précédent. Le système dentaire et le système mandicateur est absolument capital, et donc Agnès va vous en parler tout à l'heure, je pense, et ça c'est vital. Donc vous voyez, en fait, il ne s'agit pas d'aller voir l'ostéopathe et puis c'est tout, aller voir le dentiste et puis c'est tout, aller voir le podologue, non. Il faut une vision globale et que chacun répare les problèmes qui sont de sa compétence. Et c'est pour cela que la santé durable et les praticiens de la santé durable font un travail d'une très grande efficience. Je ne dis pas efficacité, je dis efficience. Vous savez quelle est la différence entre efficacité et efficience? L'efficacité, c'est d'avoir un résultat. L'efficience, c'est d'avoir un résultat à la fois facile d'accès, peu coûteux et durable. Vous voyez, c'est ça l'efficience. Donc, en économie, on appelle ça la rentabilité. Vous voyez? Et ça, en médecine, au niveau de la sécurité sociale, non, on paye, c'est tout. Non, non. Il faut rationaliser, et c'est la raison pour laquelle nous faisons des écrits, nous faisons des rapports, nous allons peut-être faire un livre, d'ailleurs, tous ensemble, pour expliquer. Vous nous le direz après, si ça vous intéresse, on peut faire un livre pour expliquer ce cheminement, parce qu'il faut absolument passer par l'écrit. La parole s'envole, les écrits restent, et nous avons l'intention de poser cela, de graver ça dans le marbre. Parce que cette expérience, si vous voulez, c'était pour moi une expérience catalytique. Ça a permis de voir qu'en fait, avec toutes nos spécialités, nous avions des bases communes, et que nous travaillions les mains exactement comme les 10 doigts de la main. 10 professions, 10 doigts, et là on peut faire n'importe quoi, tout est possible. Alors le système, voilà. Donc voilà simplement, je vous donne simplement un exemple, et puis après je passerai la parole à mes amis. Voilà un exemple catastrophique que je vois tous les jours, que nous voyons tous les jours. C'est le problème de l'entorse du genou, ou du choc au genou. On a un choc au genou ou à la cheville. Que se passe-t-il? Il y a un porte-à-faux. Le genou, donc pris latéralement, vous avez un ligament qui va légèrement se distendre. Très légèrement. Très légèrement. Mais n'oubliez pas que chaque jour, vous faites plusieurs milliers de pas. Donc imaginez dans votre voiture qu'une poulie, une poulie, soit légèrement déviée et frotte légèrement. Des milliers de fois, votre courroie, elle explose et votre voiture, elle va dans les décors au premier virage sur une route départementale. Nous, on s'adapte. Formidable, on s'adapte. Donc le genou se déforme, et bien on va déformer autre chose. Et puis ce genou-là, ben, il va pas mal, c'est l'autre qui va prendre. Et vous allez développer une atrophie considérable sur l'autre genou, parce que celui qui porte, c'est lui qui portera la totalité du poids du corps. Enfin, plus qu'il ne devrait. Et donc tout ça va évoluer vers une arthrose qui va, si on ne fait rien, déboucher sur une déformation du genou par rétraction des muscles postérieurs, atrophie des muscles antérieurs et rotation, ce qui fait que le poids du corps, au lieu d'être réparti sur les deux côtés, il va aller sur un côté qu'il va user plus vite que l'autre. Ça va donner l'arthrose avec des douleurs, etc. Et ça débouche sur la prothèse. Eh bien moi, je ne peux pas m'en glorifier parce que tout le monde devrait faire pareil, toi aussi, tu vois. Nous sauvons des personnes à qui on a proposé une prothèse. La seule condition, c'est que le problème ne soit pas irréversible. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit os contre os. Il faut qu'il y ait quand même encore une petite épaisseur de cartilage. C'est comme un pneu de voiture. Hein. Si c'est pas usé jusqu'à la corde, on peut le réchapper. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le cartilage se renouvelle très difficilement et très lentement à une seule condition, c'est qu'il ne soit pas compressé en permanence. Simplement une image, le cartilage c'est comme une éponge, hein, si vous appuyez dessus, alors vous avez une source d'eau dessous, si vous appuyez dessus, eh bien, elle va se dessécher, se déshydrater et s'aplatir. Si vous lâchez la pression, vous mettez de l'eau, elle va se regonfler. Le cartilage c'est pareil, donc il faut redonner une harmonie des pressions. C'est exactement la même chose qui se passe au niveau de la colonne, et je terminerai pour dire que, alors je parle des pieds, mais surtout, il faut toujours penser que quand vous avez mal à un endroit, ça peut venir de l'autre côté du corps. Hein, des problèmes de pied peuvent venir des dents, de cervical, des problèmes de cervical, de dents, de mâchoire. Ça peut venir du pied, du genou, du bassin. Tout est dans tout. C'est la vision globale
qui compte. Merci. Ben, nous sommes repartis de Savonnières et nous sommes arrivés tranquillement, enfin tranquillement, à Bray et moi, après je ne sais plus combien, 20 et quelques kilomètres encore. Et je tiens à passer la parole au docteur Agnès Legras sur l'incidence des soins bucco-dentaires. Alors, si vous avez bien suivi, tout est lié, tout est interrelié, tout correspond avec tout. Et donc, la santé de la bouche va avoir une influence sur la santé globale, quelque part dans votre corps. Alors, ça va agir par différents systèmes. D'abord, je pense que tout le monde connaît l'impact des infections qui sont véhiculées par le sang et qui vont se balader un peu partout dans le corps, sur un autre organe un peu fragile, que ce soit un cœur, une vessie, des articulations, ça tout le monde la connaît. Celle que vous connaissez peut-être un tout petit peu aussi, c'est l'impact fonctionnel, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, enfin très rapidement, mais dont je parle dans d'autres conférences. Et puis il y a un impact aussi qui est complètement neurologique, hein, qui intervient par l'intermédiaire de ce qu'on appelle nous la boucle neurale. Et parce que le système manducalteur, la bouche est innervée par un nerf qui s'appelle le trijumeau, qui est un des 12 nerfs crâniens, on appelle ça des nerfs crâniennes. Et ce numéro 5, il est hyper, hyper important et il renseigne, en fait, tous les noyaux des nerfs sont en interconnexion, bien entendu, puisque tout correspond avec tout. Donc, vous aurez une interrelation entre les nerfs crâniennes et aussi des noyaux de neurotransmetteurs qui sont situés au même endroit à l'intérieur de votre crâne. Et donc, ce nerf renseigne ce numéro 5 qui est dans la bouche, qui innerve les dents, le ligament des dents, l'os alvéolo-dentaire, les gencives, la face interne des lèvres, une grande partie de la langue, toute l'articulation temporomandibulaire, la rétine, une partie de l'oreille interne. Donc ce nerf-là, il renseigne sans arrêt les autres et il a une influence énorme. C'est un trait, c'est le plus gros noyau qu'il puisse y avoir dans l'intérieur du tronc cérébral par rapport aux autres. Je vais juste vous donner deux exemples. Un exemple, ce qui n'a pas été le mien, qui est celui de mon collègue. Un jour, un ostéopathe spécialisé dans les footballeurs, les sportifs, envoie à mon collègue un sportif qui souffrait de pubalgie récurrente, il n'y avait rien à faire. Il le voyait, il allait mieux une semaine, 10 jours, et hop, la pubalgie revenait toujours pareil. Et donc, il avait vu différents médecins, et l'ostéopathe suspectait très fortement une infection dentaire. Donc il envoie à mon collègue qui fait une radio panoramique dentaire, c'est une radio qui balaye absolument toutes les dents, la moitié des sinus, une partie des deux premières cervicales, l'oreille externe, l'articulation temporomandibulaire. Et on découvre qu'il avait une dentition parfaite, sauf une centrale, une incise centrale supérieure dévitalisée et restaurée avec une dent bio. Il était tombé quand il avait 10 ans, fracture de l'incisive, dévitalisation de l'incisive et dent bio. Donc voilà, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc mon collègue a retiré la dent pivot, retiré l'ancien traitement désinfectant qui était dans la dent depuis 25 ans ou 15 ans, tout désinfecté, refait ça à notre façon à nous, redésinfecté, remis la dent pivot et disparition totale des pubalgies. Et un autre épisode pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, qui est plus iatrogène, enfin qui était de mon fait. Un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir avec une carie très très profonde, et moi je suis partisan de garder les dents vivantes. Un organe vivant, c'est quelque chose qui reste sain dans une entité saine, enfin dans une globalité saine. Donc je fais toujours mon maximum pour garder les dents vivantes. Donc on prend cette option avec l'avis du patient. Je demande toujours, on en discute toujours. Et donc je soigne cette dent, je la garde vivante et le patient s'en va. Et il revient l'année suivante à son rendez-vous et puis il me dit oh, « ben, je vais très très bien ». Sauf que c'est quelqu'un qui fait du vélo, c'est un fanat de vélo, il sort du bureau à 5h30, à 6h il est sur son vélo. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il pleuve, que ce soit de la neige et tout, il roule pendant 2 heures. Sa femme me dit « il est complètement marteau », mais bon, il fait ça. Et donc ce monsieur arrive en disant « vous savez, depuis quelques semaines j'ai hyper mal à l'épaule gauche ». Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis allée voir l'ostéo, je suis allée voir un médecin, je ne veux pas prendre de médicaments. Puis pendant qu'il me parlait de ça, moi je me demandais quand même, je me disais, vous faites cette dent que j'ai voulu garder vivante l'année dernière,
qu'est-ce qu'il en est. Donc je fais différents tests et je m'aperçois que ses dents s'étaient mortifiées gentiment, toutes seules, sans donner aucun signe. Donc j'ai défait le pansement que j'avais fait, j'ai retraité la dent, j'ai désinfecté, je l'ai restauré. Et disparition des symptômes du monsieur à l'épaule, disparition complètement de son état inflammatoire au niveau de l'épaule. Voilà, donc on va s'arrêter là, c'est juste deux exemples pour vous montrer l'influence, l'incidence des soins bucco-dentaires sur la personne. Puis on est d'autres avec au pied, sur une vessie, enfin, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Merci, Ernest Legras, de toutes ces explications pour dire voilà, on est vraiment, tout est interactif, dans l'intérieur, tout fonctionne ensemble. Et le moindre aléa, effectivement, ça crée beaucoup de désordre. Alors, ensuite, nous avons eu Mariana Simonet, qui est biologiste, qui nous a fait une brillante prestation sur tout l'épigénétique. Et nous sommes arrivés à Chouzé-sur-Loire. Nous avons été super accueillis par M. le maire. Je tiens encore à le remercier. Là. Il a accueilli extrêmement chaleureux. Et le thème général, c'était les conséquences de votre alimentation sur votre santé, comment l'améliorer. Les deux intervenants ne sont pas là. C'était le docteur Michel Delorgeril, qui est un cardiologue bien connu sur Grenoble, qui nous a fait une super prestation. Paul Zeginsov, j'ai toujours un peu de mal, qui a traité comment changer son comportement alimentaire grâce à la pratique des techniques de santé et de l'auto-hypnose. Et M. Delorgeril, c'était la diète méditerranéenne, ses impacts positifs, santé, cholestérol, etc., prévention cardiovasculaire. Je pense que sur ce point, vous aurez bien évidemment l'accès aux vidéos, mais d'ici une petite quinzaine de jours, le temps de tout mettre en ordre, hein, c'est quand même assez long, il y a énormément de choses, sur le site internet, vous pourrez aller voir les vidéos. Hein. Alors, nous avons continué notre marche en partant de Caen de Saint-Martin. C'est un parcours super agréable, où c'était chouette comme tout, jusqu'à Saumur, où nous avons été accueillis par les élus de Saumur, le premier adjoint et l'adjoint à la santé, et le maire de Saint-Hilaire-Saint-Florent qui nous a fait la joie de continuer la marche de l'hôtel de ville de Saumur jusqu'à la salle du Trouet qui est à côté de l'hôtel de ville de Saint-Hilaire-Saint-Florent. Les clés de la prévention anti-cancer qui ont été traitées. Et en somme, nous avons eu le docteur docteur Claude Lenné, qui est intervenu sur environnement et santé, qui a un nouveau risque aujourd'hui, qui a fait une excellente prestation, même si ça a été long, mais ça a été absolument très intéressant. Nous avons eu le docteur Anne-Sophie Banazuc et Isabelle Doercé, qui sont intervenus sur la prévention, le dépistage, pardon, du cancer du sein, etc. Mais je vais passer la parole au docteur Bénédicte Diassonville qui va pour vous dire quelques mots sur le cancer, l'alimentation, comment limiter les maladies chroniques. Merci. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure de classes d'aliments, les sucres et les lipides sur l'inflammation chronique. Mais nous avons vu au cours de cette marche, grâce à nos intervenants, que notre environnement était très pollué. Et qu'il était indispensable d'apporter dans notre régime alimentaire, le régime au sens, pas au sens restriction, mais le régime alimentaire au sens de ce que nous mangeons, de notre façon de manger, des aliments végétaux clés qui vont protéger nos cellules de la pénétration. Qui vont empêcher les polluants de pénétrer à l'intérieur de nos cellules et d'attaquer l'ADN et de créer des mutations. Il faut entre 1 à 40 ans pour qu'un cancer se développe et pendant cette phase-là, nous avons toute cette période-là pour faire de la prévention primaire. Après, en prévention secondaire, quand le cancer est là, nous avons vu aussi qu'il était important, vraiment extrêmement important, de manger sainement, à la fois pour potentialiser les traitements, ajouter du thé et de la curcumine pendant le régime alimentaire, sauf dans certaines chimiothérapies, c'est vraiment essentiel pour potentialiser l'effet des médicaments.
ou à ajouter du thé et de la curcumine pendant la radiothérapie. Et aussi, nous avons vu que pendant la troisième phase, l'après-concert, pour éviter de rechuter, là aussi, c'est extrêmement important. Mais quel que soit le moment où on se trouve, le régime alimentaire est le même. Il faut apporter, éviter l'inflammation avec les mauvais lipides, apporter les bons lipides, savoir que nos membranes cellulaires sont faites essentiellement de lipides et que si nous avons des bonnes membranes cellulaires, nous avons des bons échanges entre les cellules aussi. Nous avons vu le rôle du glucose. Le glucose, c'est le sucre qui booste nos cellules cancéreuses. Il y a un autre élément, c'est le fer. Voilà, et bon, je peux vous dire deux mots des classes, des aliments les plus protecteurs. Donc, vous voyez, l'assiette anti-cancer, c'est une assiette colorée. Donc, plus un aliment est coloré, plus il nous apporte de substances anti-cancer. Donc, il est important de manger la peau. Parce que, oui, on se demande un petit peu, voilà, pourquoi ces végétaux sont si importants pour protéger notre propre ADN. Mais en fait, si on revient à l'histoire de les végétaux, eux, ils ont besoin de protéger leur propre ADN eux-mêmes pour pouvoir se reproduire. Or, ils sont statiques, ils sont immobiles. S'il y a une attaque de parasites, ils ne peuvent pas se mettre à l'abri. S'il y a de la pluie, trop de soleil, ils sont obligés de synthétiser eux-mêmes des molécules pour protéger leur ADN. Et c'est ces molécules-là qui vont agir sur nos propres cellules et protéger nos propres cellules. Donc les aliments les plus colorés possibles, vous voyez l'aubergine, mais il y a aussi tous les petits fruits, cassis, myrtilles, mûres, que nous avons grappillés sur le chemin. On a profité en chemin pour se soigner, avec plaisir. Les framboises actuellement. Après, il y a la grande famille des choux. Tous les choux, le brocoli, mais le chou blanc, le chou rouge, à manger cru, c'est très très bon. On n'a pas cette habitude-là, mais ça s'intègre très très bien dans les salades. En cette saison, une salade chou, pomme, noix, avec une bonne huile d'olive ou une huile de colza, c'est parfait. Après, nous, dans les autres classes d'aliments, il y a tout ce qui est de la famille de l'ail, oignons, poireaux. Il ne faut pas oublier le chocolat, qui est très important, 20 grammes par jour, ça ne nous fait que du bien à partir du moment où ce n'est pas les chocolats de Noël qu'on achète en boîte industrielle avec plein de colorants, plein d'additifs, plein de sirop de glucose, de sucre inverti, d'arômes dits naturels, mais parce que ils sont dits naturels, mais en fait, ils ressemblent aux arômes naturels. Ils ne sont pas. Du chocolat en tablette, là, du vrai. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus, moi. J'ai un peu oublié, mais c'est les principaux aliments à intégrer. Les fruits aussi, les agrumes sont importants. Voilà. Bon, bien manger, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez dans votre alimentation, les varier les plus possibles. Là, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Vous pouvez manger des fruits. Et après, ben, on complète. Il faut amener un peu de protéines, des bonnes protéines, un œuf, du poisson, de la viande qui a mangé de la bonne herbe, un peu de fromage, pas trop. Voilà. Bon. Et puis, on n'oublie pas ici, on est en France, le bon verre de vin rouge. De qualité biologique, parce que sinon c'est, je crois, 2000 fois le taux de pesticides qu'on trouve dans le vin est 2000 fois supérieur à celui qu'on trouve dans l'eau. Et malgré ça, les gens qui boivent du vin n'ont pas plus de cancer. Ce qui veut dire que les molécules apportées par le vin sont vraiment protectrices. Elles évitent d'absorber ces pesticides. Mais le mieux, comme on a plein d'autres pesticides, d'autres poisons qui rentrent dans notre corps, c'est d'utiliser du vin bio, comme ça il va nous protéger des autres poisons plutôt que de s'occuper des poisons du vin. Voilà, avec modération, évidemment.
Alors si c'est 3 à 4 cuillères à soupe d'huile par jour, et on en est loin, souvent très très loin, avec les conseils alimentaires erronés qu'on a donnés ces dernières années, de dire attendez, attention, attention au gras, oui, attention au gras saturé, attention aux graisses cuites, mais pas attention au gras, aux huiles de première pression à froid. Celles-là, vous pouvez en manger, vous pouvez en abuser, ça ne vous perturbera absolument pas votre bilan lipidique. Voilà, donc j'oublie certainement des choses parce que c'est difficile de résumer nos conférences en très peu de temps comme ça. Voilà, donc comme dit Guy, ce sera sur le site. Rendez-vous sur le site. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci. Je pense qu'il serait tout à fait naturel que chacun des intervenants donne son impression, parce que pour ce qui me concerne, cette marche a changé quelque chose dans ma vie. Vous voyez, ça a redonné du sens, et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Contrairement à certains intervenants qui sont pessimistes, moi je suis optimiste, parce que on arrive à fédérer, on arrive à attirer des personnes simplement en les informant. Ce qu'il faut, c'est éduquer, informer, éduquer. Donc je remercie d'abord les deux initiatrices, celles qui ont guidé de cette marche, Agnès et Bénédicte. On peut les applaudir parce que ce sera une idée. Et je remercie particulièrement l'organisateur, parce que pour moi c'est vraiment, il a fait un travail absolument extraordinaire, c'est Dominique Chardon. Il a passé six mois à préparer cette marche, a fait 7000 km, a passé des milliers de coups de téléphone, et je peux dire que cette marche est une grande réussite, et je pense qu'elle a une valeur d'exemple. Parce que vous voyez, on est parti, on était d'horizons différents, de professions totalement différentes, d'opinions relativement proches, puisque nous avons tous en commun le respect de l'homme et de la nature. Et ça, c'est fondamental, et c'est ça qu'il faut enseigner. Et nous avons, vous voyez, Yohann qui est ici, nous a découvert, il nous a suivis jusqu'ici, et bien, merci Yohann, bravo. Et il a compris qu'il avait des choses à faire, et il nous a soutenus, merci Yohann. Et donc nous avons beaucoup de personnes qui sont venues nous soutenir, et l'intérêt de cette marche est également ces conférences qui nous ont permis de synthétiser nos connaissances afin de les mettre à la disposition du grand public. Parce que le problème de l'information, c'est que ça passe par des médias écrits, et que ces médias écrits sont subventionnés et sponsorisés par l'industrie agroalimentaire, chimique et maintenant naturelle, mais enfin c'est une forme de chimie déguisée, c'est une, on peut dire, un recyclage. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en restant, comme je l'ai dit tout à l'heure, indépendant, et c'est ça qui fera notre force. Donc vive les associations qui nous soutiennent, et il faudrait que toutes ces associations s'organisent en réseau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des associations, ne trouvent pas d'associations qui correspondent à leurs aspirations, donc c'est à nous de faire des petits et à diffuser au niveau national et même plus si nous pouvons. Saluer notre roi de l'informatique, notre roi de la bonne humeur, notre modérateur, notre ami Guy Roulier, jamais vu ça, on serait complètement perdu. Il a fait le comment dire ça, Charlie avec les drôles de dames, trois drôles de dames. On a vraiment passé une semaine, je veux dire, relationnellement, chaleureusement, professionnellement merveilleuse. C'est une très très belle aventure. Moi, j'en suis, ravie. C'est un mot qui ne correspond même pas à ce que je peux ressentir. Et vraiment, remercier tous ces zuluberlus un peu illuminés qui se sont lancés sur les routes et avec lesquels j'ai été ravie de partager. Et il y a une petite dame là-bas dans le fond qui se cache, une petite nappe là, c'est Karine qui a marché avec nous la moitié de la semaine, qui est podologue et qui a partagé notre aventure. Et voilà. Qui a réparé les pieds en dolo. Et qui a réparé les pieds en dolo. Et
y a une autre petite dame qui se cache et qui est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est Béatrix, sage-femme, qui est venue faire une conférence un soir depuis Angers. Très très gentil. Merci à tous. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un parcours comme ça. C'est pas facile en famille, c'est pas facile avec ma chère compagne qui n'a pas pu venir, qui en a marre depuis 31 ans de traîner ce putain de fauteuil. Et grâce à eux, j'ai découvert toutes ces joies. J'ai vraiment découvert des amis extraordinaires que je connaissais par la chambre, que je connaissais là-bas avant. J'ai aussi mon ami Guy Roulier, que je suis depuis près de 35 ans. Je suis, c'est grâce à lui que je suis là. C'était un compagnon de chambre extraordinaire. Et c'était aussi un mécanicien extraordinaire et un coach extraordinaire. Il connaît tout mon appareil maintenant. Je crois que j'invite tous ces gens-là à venir en vacances avec moi désormais. Voilà, il n'y a plus grand-chose à dire. Je crois que tout a été dit, donc, et très bien dit. Donc, voilà, moi, je vous remercie aussi à tous ceux qui ont participé à cette marche, et tous ceux qui sont venus nous écouter, nous encourager, parce que nous faisons ça pour partager, pour que chacun prenne sa santé en main, mais en ayant les outils nécessaires. Parce que ce n'est pas le tout de le dire, il faut encore savoir ce qu'il faut faire. Voilà, merci à tous. Le succès de cette marche, je crois qu'il va falloir lui donner une autre dimension, et pour ça il va falloir que nous travaillons de notre côté nos procédures et notre dynamique. Alors nous verrons quels sont les participants. Je vois Martine qui pose la tête. C'est vrai qu'on lui a beaucoup pris son mari. Merci beaucoup Martine, on peut l'applaudir pour ça. Et je crois qu'on arrive maintenant où un projet qui a été rêvé sans partie réalisée. Et de l'intérieur, on a vu les écueils, les difficultés. Donc maintenant, si on veut faire quelque chose encore important pour apporter ça à vous tous qui êtes présents, puis à tous ceux qui n'ont pas été là, il va falloir qu'on se structure un peu différemment et qu'on puisse travailler et gérer avec beaucoup d'efficacité, peut-être encore un peu plus que celle que nous avons eue. Voilà. Eh ben, moi, je vais terminer par remercier, pas moi-même, mais surtout la planète, franchement, puisque c'est elle qui nous apporte tous ces bienfaits. L'air qui tourne autour, l'eau, la vie. Il y a la vie sur la planète et nous, on vit sur cette planète. Alors tout ce que je vais dire, c'est, voilà, j'ai passé une semaine extraordinaire, on a vu des gens, l'eau, la vie, l'air. Continuons à protéger un peu tout ça. Et prenez vraiment conscience que vous êtes tous acteurs, tous. Comme disait Pierre Rabhi, le petit colibri, il fait son petit travail. Et chacun de vous, vous avez votre petit travail à faire tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Voilà, donc remerciez cette planète qui est là pour nous, elle nous donne tout. Il faudrait peut-être lui rendre un peu le minimum. Voilà, merci pour elle.